Vous double-cliquez sur la page 2, on va aller voir la page 2. On a une grande lettrine qui va pouvoir être utilisée, par exemple, dans un magazine en début d'article, parce que ça agrémente, c'est graphique, une lettrine, on peut changer aussi la police, la police peut être différente de, du reste du texte. On va faire le test. Une grande lettrine qui peut se mettre en début d'article, vous avez des, une plus petite lettrine qui va dans, au fur et à mesure des paragraphes de l'article, sur certains paragraphes apparaître pour, euh, quand on change un peu de sujet, par exemple. Ok, on parle d'un sujet, mais on, on, va, on arrive à un point pivot du sujet, du contenu, et on va pouvoir mettre une petite lettrine. Ce n'est pas un début d'article, mais c'est... Comme ça, ça, ça segmente un peu l'article visuellement. Ici, la petite lettrine a été mise sur le deuxième paragraphe qui suit. C'est foireux visuellement. Le document ici est un document qui est en train d'être mis au point. Les styles comme ça, vous allez l'utiliser pour faire un document plus sérieux à un certain moment. D'accord Quand on met au point le style, euh, on n'est pas obligé de, de le faire sur un document réel. On peut mettre au point euh, la charte graphique du document réel qui va arriver, en quelque sorte, la charte graphique. Alors, ceux pour qui la notion de charte graphique euh, serait un peu étrangère. Euh, vous pourriez à un certain moment taper ceci dans euh, Google ou dans Bing, euh, un moteur de recherche, charte graphique téléchargée et passer à la partie image Et vous allez tomber sur plein de chartes graphiques en PDF, euh, le plus souvent à télécharger. Ce sont souvent des chartes graphiques pour des logos. L'utilisation d'un logo, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on l'utilise. Euh... Mais. Il y a aussi des chartes graphiques pour des, des brochures, des magazines. Évidemment, là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et souvent, ça ne se diffuse pas. Vous entendez souvent parler, euh, tiens, tel journal change de format, il a une nouvelle charte graphique, ça veut dire que ben, le type de papier va changer, le format du journal va changer, je veux dire le format, la dimension des pages, le, le nombre de pages. La manière de mettre en page les choses va changer. Tout ça, ça s'est se, ça travaillé. C'est des agences de publicité, des gens spécialisés, ou peut-être en interne aussi dans le cas d'un journal, qui ont travaillé sur la charte graphique. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que le document ici est en quelque sorte un document qui est mis au point petit à petit. D'ailleurs, vous le connaissez, ce document. C'est un document qui, à l'origine, vous avez travaillé dessus. Euh, précédemment il était avec des pages A4 horizontales et finalement on se retrouve ici menu fichier format de document on se retrouve avec un format lettres vertical 215 sur 279 c'est pas vraiment de la 4 horizontales donc c'est une adaptation d'un document existant et InDesign peut vous aider quand vous devez passer d'un format à un autre, fichier, format, euh, fichier ajuster la mise en page, juste en dessous de format de document, c'est par là qu'on peut transformer un document d'un format à l'autre. Vous savez que l'approche ici, vu qu'on n'a pas des centaines d'heures et que InDesign, c'est quand même complexe à apprendre, on n'a pas des centaines d'heures pour vous apprendre InDesign. L'approche ici, c'est de vous fournir un document existant ou que vous puissiez trouver ailleurs. Ça se vend d'ailleurs sur le web, des documents existants InDesign et les modifier avec vos propres contenus, et pour vos propres images, vos propres textes. Et peut-être même aussi modifier le format. Et donc, euh, sachez-le, euh, quand vous démarrez d'un document existant que vous avez trouvé d'une manière ou d'une autre, par mois ou ailleurs, vous avez encore la possibilité d'aller modifier les choses ici, par fichier, ajuster la mise en page. C'est ce qui a été fait sur le document ici. Alors on va tester le système de lettrine qui a été mis en place là et on va même essayer de l'appliquer ailleurs sur une autre page. Alors avec la flèche noire, on s'assure bien que rien n'est sélectionné. Vous cliquez avec la flèche noire à côté de, des pages, rien n'est sélectionné. Et nous allons dans la... D'abord je vais mettre les lettrines un peu sur la gauche là. Barre d'espacement et je bouge un peu vers la gauche parce que je vais avoir une boîte de dialogue qui va arriver sur l'écran. Je voudrais voir en temps réel ce qui se passe derrière, donc je ne le garde pas au milieu de l'écran. Surtout sur mon écran qui a peu de points là, pour, le, pour les besoins de la projection. Alors, on va aller chercher les styles de caractères et de paragraphes. Vous allez dans le menu texte, style de caractère. Évidemment, dans la version anglaise, c'est menu type. Character styles et Paragraph styles. Voilà, les styles de caractères et de paragraphes. Donc souvent les débutants ne voient pas trop la différence. Euh, la différence, c'est que le style de caractère, c'est quand on veut modifier une partie d'un paragraphe. Typiquement, ici, c'est la première lettre du paragraphe qui est modifiée. Voilà. Alors, vous avez un style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Vous pouvez double-cliquer à droite du nom. Vous avez la case, ben vous avez d'abord la boîte des options de style de caractère qui s'ouvre, forcément. Quand vous double-cliquez à droite du nom du style de caractère qui s'appelle Grande Lettrine, attention, ce n'est pas celui-ci, hein, c'est celui-là. Vous avez la case aperçue qui est cochée. Vous allez dans Format de caractère de base, vous allez pouvoir modifier la dimension. Essayez. Voilà, on voit qu'on arrive à modifier la dimension. C'est pas mal. Vous allez pouvoir modifier la couleur. Ici, couleur des caractères. Choisissez une couleur qui est dans la liste là. Les couleurs apparaissent toujours plus ternes que ce qu'elles ne sont. Ça, c'est Zarbis. Ici, je choisis un rose super vif. Hein. Et vu qu'il est à 60% de teinte, il apparaît. Plus terne. Ça ne se voit pas trop avec le rose. Peut-être avec le vert. Oui, avec le vert, il apparaît terne. Avec le bleu ici, bleu foncé. Ah tiens, Zarbi ça. Ok. Donc c'est ici que ça se passe, c'est la teinte. Vous avez un réglage de teinte qui a été ré réglé là. Vous pouvez retourner à 100% si vous voulez avoir vraiment la couleur que vous choisissez là, bien sûr. Vous pouvez aussi créer vos propres couleurs en double-cliquant sur l'échantillon ici. Vous avez une nouvelle couleur qui apparaît. Alors, on va créer une couleur RVB, même si le document est destiné à l'impression, à moins que vous ayez une très bonne raison de faire une couleur CMJN, passer en RVB. Parce que l'idée, c'est que le document, il doit pouvoir servir aussi sur une tablette, et sur une tablette, on peut afficher des couleurs vives. Par contre, à un certain moment, quand on va exporter en CMJN, on va exporter en PDF le document pour l'impression chez l'imprimeur, au moment de l'exportation en PDF, on fera la conversion vers un CMJN, celui que l'imprimeur vous indiquera, en fonction du papier que vous avez choisi pour imprimer. Donc vous pouvez, si vous voulez, euh, créer une couleur là, qui servira pour votre lettrine. Ok. Alors, superbe couleur ici, voilà, ok. Ça se retrouve dans la liste, voilà. Ceci dit. On avait déjà une couleur qui était prévue pour la grande lettrine. C'était plus intelligent de modifier celle-là. Par le nuancier. Mais bon, peu importe. Ici on fait des tests. On corrigera les choses après. Vous pouvez aussi tester le changement de la police. Format de caractère de base. Vous avez modifié la taille tout à l'heure peut-être. La couleur. Mais... Vous pouvez aussi aller choisir une police. Évidemment, la... les polices n'apparaissent pas, il n'y a pas de preview ici, donc il vaut mieux avoir repéré quelle police nous intéresse avant. Ici, je mets juste le curseur dans le... la ligne qui concerne la police, et avec les flèches haut et bas du clavier, je vais passer en revue les polices existantes sur l'ordinateur. Le... Ok, voilà, celle-là me paraît bien. Et remarquez ce qui se passe, il y a un truc bizarre. Quand vous modifiez la police de la grande lettrine, Puisqu'on est en train de modifier le style de caractère grande lettrine qui est appliqué sur le premier caractère du paragraphe. Eh bien, la petite lettrine se modifie aussi, parce que c'est l'enfant de la grande lettrine. Petite lettrine est l'enfant de la grande lettrine. Euh, comment vous faites pour avoir la prévue, euh... Voilà. Donc on voit bien là, quand on modifie. Là j'ai pris du Baskerville. Polissant empattement. J'ai de l'empattement ici, c'est du Baskerville. Je modifie, je suis en Helvetica, police sans empattement, police bâton. J'ai de l'Helvetica ici, j'en ai là aussi. Donc voilà, il y a un lien. C'est ça qui est intéressant. Et vous avez peut-être remarqué que quand vous modifiez la couleur de la grande lettrine, ça ne modifie pas la couleur de la petite lettrine. Parce que. Parce que le, tout ce qui est différent chez l'enfant ne peut pas être modifié par le parent. Il n'y a que ce qui est commun qui peut être modifié par le parent. Donc la police était la même sur les deux lettrines, la grande et la petite. On a pu modifier la police en même temps sur les deux. Par contre, la couleur, pas possible. OK. Et donc ça, c'est intéressant de voir que ça fonctionne comme ça. On va juste tester l'application de ça. Euh, voyons un peu au niveau des styles de paragraphe. Donc on va aller utiliser les lettrines, la grande et la petite, pour euh, les tester dans une autre partie du document. Mais d'abord, je résous ton problème. Tu as euh, quelque chose qui ressemble quelque part à ça. On est d'accord Bon, mais ça, c'est parce que tu as loupé l'épisode où Kevin embrassait Jessica. Et dans le même épisode, il y avait moi qui racontais qu'avant d'aller modifier les styles, il fallait cliquer avec la flèche noire à côté de la page pour désactiver tout. Ce qui s'est passé, c'est que tu avais le bloc sélectionné. Quand tu es allé double-cliquer sur le caractère grande lettrine, euh, ça a appliqué la grande lettrine sur tous les, sur tous les, 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 les caractères du, du bloc, en fait. C'est ça et ça, quand on ne se rend pas compte, c'est un gros piège dans InDesign. Quand on est débutant, on a l'impression à ce moment-là qu'on n'arrive pas à récupérer le coup parce que on va aller regarder du côté des styles de paragraphe ce qui se passe. Mais ça vient du, des styles de caractère. Donc voilà ce que tu dois faire. Tu dois sélectionner le bloc avec la flèche noire. Tu dois aller dans la palette des styles de caractère et indiquer 100. 100. Le style de caractère s'applique malgré tout sur. La première lettre, parce que ça, c'est inscrit dans le style de paragraphe. C'est ce qu'on appelle un style de caractère imbriqué. Les styles de paragraphe utilisés par ces deux paragraphes, on n'en a pas encore parlé. On a juste parlé de la grande étrine. Ah oui, vous auriez pu aussi, euh, avant qu'on parle des styles de paragraphe, cliquer à côté de tout d'abord. Euh, on télécommande les choses avec les styles. De, il faut que rien ne soit sélectionné. C'est important, je clique avec la flèche noire à côté de la page. Vous auriez pu aussi aller double-cliquer sur le style de caractère petite lettrine enfant de grande lettrine et aller modifier spécifiquement la dimension, la couleur, le caractère de cette petite lettrine. Allez-y, essayez. Dans la palette style de caractère, double-cliquez à côté du style de caractère petite lettrine. Vous avez la pos possibilité d'aller modifier la dimension. d'aller modifier la couleur, d'aller modifier la police. Et eh oui. Bon. Peu importe la police que vous choisissez. Voilà. Du coup, vu que la police est maintenant différente sur la petite lettrine chez moi, si je vais modifier la grande lettrine, la police de la grande lettrine, ça n'aura plus d'influence sur la petite lettrine. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Il n'y a que ce qui est commun aux deux styles, le parent et l'enfant, qui peuvent être modifiés. La police n'est plus commune maintenant. Voilà. Quand je modifie la police sur la grande lettrine, ça ne le modifie plus sur la petite. Alors à ce stade, ce serait intéressant d'enregistrer le document malgré tout, parce que vous avez fait quelques modifications. On va enregistrer ici document 184. Alors on va aller sur une autre page du document. Et voilà. Je pense que sur la page 6, ça peut être intéressant. Il y a du texte à propos d'un sujet brûlant et sensible, les beaux poulains de la savane. Ne lisez pas le texte en latin, c'est vraiment un peu gore. À moins que vous aimiez le gore, mais... Bon, c'est du faux latin, ça veut rien dire, mais c'est encore pire, vous pouvez imaginer le pire. Ok, vous êtes sur la page 6. Alors on a ici quoi Qu'est-ce qu'on a Si on prend la flèche noire et qu'on clique sur euh, la colonne de gauche, on a un bloc. Sur la colonne de droite, on a un autre bloc. Ce sont donc euh, deux blocs séparés. C'est une des manières de faire des colonnes dans un document InDesign. L'autre manière étant un seul bloc avec des colonnes définies à l'intérieur. Une subdivision du bloc. Mais ce n'est pas ce qui a été euh, fait ici. Et voyons un peu, ces blocs sont chaînés. En principe, si vous enlevez du texte sur euh, à un endroit, le reste là à gauche va repasser dans la colonne de... le, le reste là à droite, je veux dire, va repasser dans la colonne de gauche. Vous pouvez faire le test. Vous prenez l'outil texte. Vous supprimez ça, par exemple, voilà, peu importe hein, à peu près ça, touche suppression. Ah tiens, ça n'a pas marché. Ils sont pas chaînés. Ah, le chaînage ne marche pas. Il est cassé. C'est pour ça, j'annule, annulez saisie. Ben oui, on a la petite euh, flèche ici, plus. Hein. Voilà. Si on clique sur le petit plus là et qu'on va recliquer sur le bloc d'à côté, c'est chaîné. D'ailleurs, en affichage euh, normal ici, on voit cet euh, immonde élastique qui euh, bouge avec le bloc de droite quand on le bouge. D'accord Bon, je vais remettre en place. Si vous ne voyez pas l'élastique, c'est dans le menu affichage, extra, afficher le chaînage du texte. Ça n'apparaîtra que quand vous êtes en affichage normal. Pas en affichage aperçu. Donc je vous parle de cet immonde élastique qui indique le flux du texte d'un bloc à l'autre. Le chaînage de texte. Vous devez être en affichage normal pour le voir, vous devez avoir cliqué sur la petite euh, croix rouge ici, puis ça a fait apparaître une chaîne, vous avez cliqué sur la colonne d'à côté. Vous avez chaîné. Et je vous dis aussi que pour euh, parfois peut-être sur votre InDesign là, il faut demander que cet élastique apparaisse par le menu affichage perf... affichage extra, afficher le chaînage du texte. Alors dans la version anglaise, ce sera menu euh, display, c'est ça vous avez un menu di display View, voilà le menu View, extra, show text thread, montrer le cheminement du texte. C'est pas ça, c'est pas show text thread Ah non, non. Et euh, c'est pas nécessairement au même endroit dans le menu hein, dans la version anglaise parce que ça s'affiche par euh, ordre alphabétique, je pense. Hein. Ah, vous avez high de text thread, ça veut dire que c'est déjà affiché, vous voyez l'élastique alors. Ah ben c'est super. Alors oui, vous indiquez, vous me dites qu'il y a le petit signe plus qui est là qui indique que euh, voilà, il y a beaucoup de texte et les deux blocs n'ont pas assez pour euh, tout vous montrer. Alors, enregistrez le document. 185. Et on passe à la suite. Alors, euh, oui, il va être possible euh, d'appliquer sur le premier paragraphe euh, la, gr la grande lettrine. La première lettre du premier paragraphe va devenir une grande lettrine. La première lettre du second paragraphe, ou du troisième, peut-être, on va peut-être le faire plus loin, va devenir la petite lettrine. Bon, c'est possible. On va tester ça. Alors, est-ce qu'il faut y aller par les styles de caractère Ben non, ça c'est quand on veut modifier les lettrines, la grande et la petite. On y va par les styles de paragraphe. Menu type, paragraphe styles, menu texte, style de paragraphe. Vous allez cliquer avec l'outil texte dans le premier paragraphe, n'importe où. Ne faites pas comme ces débutants InDesign qui, quand ils doivent indiquer qu'ils vont modifier le style d'un paragraphe, il s'amuse à sélectionner tout. Ça ne sert strictement à rien. Il suffit que le curseur soit clignotant dans le paragraphe et InDesign sait que vous allez modifier ce paragraphe. Alors, actuellement, le style est corps du texte, body nouveau. Ben oui, c'est le corps du texte, c'est-à-dire le texte principal du document. On appelle ça le corps du texte, le texte qu'on rencontre le plus dans le document. Et j'ai mis en parenthèse body parce que c'est la version anglaise. Body Text, ça indique que c'est le texte principal, mais dans, si vous parlez en anglais, voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est le body Text. Et c'est une version nouvelle du style. Ok, et eh bien vous avez ici euh, corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Vous pouvez l'appliquer. Alors, vous avez quelque chose d'un peu différent. Il est mis en parenthèse ici style imbriqué. C'est un autre style, c'est plus complexe, c'est autre chose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la version simple, cœur du texte nouveau avec grande lettrine. Et voilà la grande lettrine qui est là. Génial. Alors, la police, là, je la trouve pas mal. Elle fait assez années 50. Ça dépend du sujet qui sera traité. On ne choisit pas une police parce qu'on la trouve jolie. On choisit une police aussi en fonction du sujet. Parce que c'est une, une époque, un sujet, euh, une cible, certains lecteurs qui sont habitués à voir certains types de documents. Donc ça, c'est, je ferme la parenthèse ici. Ici, pour l'exercice, on peut garder la police que vous avez choisie, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de sujet au document, on ne sait pas encore vraiment. Quoique, il y a quelque chose qui est quand même au-dessus. On voit que c'est peut-être un truc en rapport avec les, le médical, mais ce n'est même pas certain. C'est peut-être juste de l'humour. Oui, parce qu'il y a de l'humour à certains endroits de la société encore. Il faut chercher, mais il y en a. Alors, le paragraphe avec la petite lettrine, bah ben, ça peut être un des paragraphes de la colonne de droite. Là, vous pouvez appliquer corps du texte body nouveau avec petite lettrine. Le voilà, génial, ça marche. Donc vous voyez que techniquement c'est ces styles, ils sont là dans le document que vous avez reçu. Vous pouvez les modifier, les appliquer où vous voulez dans le document. Ils n'avaient pas dû nécessairement apprendre comment on le fait, comment on construit ça. Je vous montre comment ça a été construit. Là, je suis en train de travailler dans le paragraphe qui a la petite lettrine. Je vais ici double-cliquer à droite du style de paragraphe, corps du texte nouveau avec petite lettrine. Et. Vous avez ici lettrine et style imbriqué. On a indiqué que la lettrine doit être sur deux lignes. C'est ce qui se passe ici. Une, deux. Deux lignes de texte du paragraphe. Un caractère. C'est seulement le premier caractère. Et ça utilise le style petite lettrine. Enfant de grande lettrine. Voilà. C'est ce qu'on appelle un style imbriqué. Techniquement, c'est comme ça que ça a été fait. On indique dans un style de paragraphe que une partie du paragraphe automatiquement utilise un style de caractère qu'on a créé. Vous pouvez enregistrer le document. Alors voilà, vous avez modifié donc vous avez appliqué ce que vous aviez modifié précédemment, vous l'avez appliqué sur deux paragraphes de la page 6. Bon, alors Point de vue visuel, c'est pas génial. Les, entre les deux colonnes, il y a pas assez d'espace. Euh, les lignes ne sont pas dans le prolongement l'une de l'autre. En plus, quoique vu qu'il y a pas assez d'espace, c'est pas plus mal pour qu'on voit, voit la différence. Mais en tout cas, techniquement, ça a fonctionné. Euh, on constate que sur la page 7, il y avait déjà sur deux paragraphes les mêmes grandes lettrines et petites lettrines qui étaient appliquées. Si vous euh, prenez l'outil texte et que vous cliquez dans le premier paragraphe, vous voyez que lu, le style utilisé est corps du texte body nouveau à grande lettrine, oui, et ici en bas, quand je clique dans le paragraphe, corps du texte body nouveau avec petite lettrine. D'accord. Alors, on va revenir sur la page 2 rapidement. Sur la page 2, vous avez ici. Non, sur la page 3, pardon. Page 3, page de, de droite de la double page 2.3. Sur la page 3, vous avez euh, un premier paragraphe. Là, et je vous avais dit, c'est un peu plus évolué encore. On peut faire sortir la lettrine, non pas, pas, pas seulement par le dessus, mais aussi par la gauche. Si vous cliquez quelque part dans le titre ici, dans le paragraphe, je veux dire. Si vous cliquez quelque part dans le paragraphe, vous voyez que le style utilisé, c'est corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Et c'est un système de style imbriqué plus évolué que le bête système de style imbriqué euh, qui a été utilisé dans les deux autres styles de paragraphe. Techniquement, il est possible de faire aussi une petite lettrine. Et je vous montre ici rapidement le document. Et on ne le fera pas ensemble. Mais techniquement, c'est possible de faire ce système euh, également avec une petite lettrine. Donc, je vous montre rapidement ici. Euh, vous n'avez pas ce document. Vous n'avez pas le document avec la page 3, avec la petite lettrine qu'on qu voit là. Mais je vous montre rapidement. Donc, euh, palette euh, des styles de caractère. Il y a des styles ici de caractère que vous n'avez pas. Là, d'abord, je vais m'assurer que je clique à côté de tout pour que rien ne soit sélectionné. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout. Voilà. Et puis, je vais aller utiliser un style de caractère petite lettrine, style imbriqué, enfant de grande lettrine, style imbriqué. Ça veut dire que je peux aller modifier la police. Voilà. Je peux aller modifier la dimension. Ok. Et avec un autre style qui s'appelle retrait de la petite lettrine, style imbriqué, je peux aller ici, dans format de caractère de base, modifier l'approche, et c'est là que je règle à quel point la lettrine sort du bloc, vous voyez, ou pas. Donc c'est un système plus complexe que ce qu'on a testé là juste avant. Voilà. Même chose pour la grande lettrine, bien sûr, on a une grande lettrine style imbriqué où on va pouvoir aller changer plusieurs choses. La couleur et euh, la police, euh, tout ce qu'on veut. Voilà, on va essayer de choisir un truc pas trop moche. Ok, je vais prendre un truc assez costaud. Voilà. Autre style qui participe à cette lettrine, euh, c'est retrait à gauche de la grande lettrine, style imbriqué. Format de caractère de base, et là aussi on peut aller modifier la manière dont elle sort. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas prévues dans InDesign au départ, mais en, faisant, en mettant en place des astuces qui sont connues dans le monde du graphisme, des, de la mise en page, hein, on arrive à euh, faire des lettrines qui sortent. Alors, il est possible que dans un logiciel, euh, bête logiciel de. Euh, comment dire euh, De mise en page comme Word, faire une lettrine qui sort par la gauche et par le haut, ce soit plus facile. C'est des choses qui peuvent arriver par rapport à InDesign. Il y a parfois des automatismes dans Word qui n'existent pas dans InDesign. Euh, il faut savoir qu'aussi, InDesign fonctionne avec des plugins. Les manquements dans InDesign peuvent être comblés grâce à des plugins gratuits ou payants qu'on ajoute à InDesign. Euh, donc ne vous étonnez pas, vous allez peut-être vous dire, mais euh, oui, ça, on peut faire dans Word euh, sans problème. Euh, oui, ok. Ben là, on est dans InDesign et globalement, InDesign est quand même meilleur que Word pour faire des magazines et des, des choses où la typographie est importante. On va revenir sur la page 2. D'abord, vous allez enregistrer le document. Ah, ben, c'est pas ce document-là, au fait. Donc, je vais fermer. Je suis, J'étais sur mon document test. Je reviens sur le document qu'on avait travaillé ensemble. Voilà, page 2. Plutôt page 6, excusez-moi. On revient sur la page 6, vous, la dernière que vous aviez travaillée, là. Les beaux poulains de la savane. Ah, tout un programme, quelle horreur. Au fait, vous savez pourquoi les zèbres sont tous pareils C'est pas une blague. C'est la vérité scientifique. Pourquoi les zèbres se ressemblent tous et euh, Vraiment, quand vous voyez un zèbre, il ressemble vraiment à un autre zèbre que vous avez déjà vu. Vous savez pas pourquoi ah, pour les prédateurs. Exactement, c'est pour briller les prédateurs. Un prédateur ou un groupe de prédateurs comme les lions, quand ils s'attaquent à un individu dans un troupeau, ils doivent arriver à le repérer pour se focaliser sur lui. Et comme les zèbres se ressemblent tous, ça les embrouille. Il y a des expériences qui ont été faites. Si on met ne fût-ce qu'un point de peinture rouge sur un des zèbres dans un troupeau, il ne faut pas longtemps pour qu'il se fasse bouffer parce que les lions arrivent à le repérer très facilement grâce à son point rouge. Fin de la parenthèse parce qu'on fait un peu de zoolog zoologie ici. Hein. Oui, n'allez pas raconter qu'on fait de la zoophilie. Hein. C'est de la zoologie que j'ai fait. Oui, oui. Euh, les mots ont de l'importance. Bon. Ah ben oui, ça vous fait rire, mais moi, ça ne me ferait pas rire que vous alliez raconter ça. Ok. Alors, euh, qu'est-ce que je disais, moi Oui, euh, on est sur la page 6 et vous avez, au niveau des styles de paragraphes, premier euh, paragraphe là sur la page 6, ça utilise... Corps du texte avec grande lettrine, d'accord. Le suivant n'a pas de lettrine, on est d'accord. C'est corps du texte nouveau tout simple, pas de lettrine. Que se passe-t-il si je reviens ici sur le premier paragraphe, corps du texte nouveau à grande lettrine, et je double-clique. Donc j'ai mis le curseur quelque part dedans, faites-le aussi. On double-clique à droite du nom ici, les options apparaissent, et on va dans les options générales, c'est ce qui arrive là. On voit que ce style est créé d'après... Corps du texte. Ça veut dire quoi ben C'est un parentage de style, de paragraphe. Ça veut dire que normalement, si je modifie quelque chose qui est commun ou de style, je modifie quelque chose qui est commun, notamment la police utilisée, euh, la, la couleur de la police ou quoi, sur corps du texte body nouveau, ça devrait se répercuter sur l'enfant qui est corps du texte body nouveau avec grande lettrine. On va tester ça. Vous allez cliquer à côté de tout avec la flèche noire. Pour désélectionner, on va télécommander les styles à distance. Vous allez double-cliquer sur corps du texte body nouveau. À droite du nom corps du texte body nouveau, on va aller modifier euh, le texte principal. D'accord Vous avez cliqué avec les flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné. C'est important parce que si vous gardez le curseur dans le premier paragraphe, en double-cliquant sur corps du texte body nouveau, vous allez l'appliquer. C'est nul. Donc, avec la flèche noire, je clique à côté de tout, je double-clique sur corps du texte body nouveau. Une chose que je. Je aller modifier ici, c'est l'interlignage. L'interlignage, vous remarquez, il est très important. Il est grand. Ça peut être intéressant dans certains documents pour donner un côté classieux. Mais je vais ici aller modifier l'interlignage parce que pour ce document-ci, c'est un peu malvenu. Donc, dans format de caractère de base, en train de modifier ce style de, de paragraphe, on a ici l'interligne. Si on met « automatique » à la place de 22 points, on a quelque chose qui apparaît entre parenthèses, c'est 14,4, c'est 120% de la taille du corps. Si vous prenez 12 points et vous ajoutez 20% à 12 points, vous obtenez 14,4. Dans InDesign, c'est le réglage par défaut de l'interlignage. Le fait que ce soit entre parenthèses indique que c'est InDesign qui a calculé ça pour vous. Mais vous pouvez vous en éloigner. Déjà, on peut regarder ce, que ça, ce qui se passe avec la case aperçue. Voilà, vous voyez que les lignes sont plus rapprochées. Et également sur le paragraphe enfant. C'est le premier là. Corps du texte avec lettrine avec grande lettrine. Donc ça c'est intéressant. Euh, ici je vais repasser à autre chose. Voilà, je vais mettre 18 et on peut aller modifier. Voilà, manuellement et visuellement choisir ce qui vous plaît le mieux. Avec les écrans actuels, c'est pas comme avant. On arrive quand même à voir bien sur écran avec les écrans Retina haute densité ou euh, d'une autre marque. Parce que Retina c'est une marque Apple, mais peu importe si vous êtes sur un PC ça marche aussi. Il faut quand même sortir sur une imprimante laser noir et blanc pour vraiment vérifier si c'est lisible et agréable à lire. Mais l'écran, par rapport à ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans, euh, est plus fiable déjà maintenant. On arrive à travailler en WYSIWYG. What you see is what you get. Vous connaissez, vous, euh, ça vous dit quelque chose, le WYSIWYG Jamais entendu parler du WYSIWYG Ah, mais enfin Alors, le WYSIWYG, c'est pas un truc dégueulasse, euh, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser... C'est euh, l'acronyme de What You See is What You Get. Je vous en parle parce que vous allez forcément en entendre parler dans le monde de l'infographie, c'est extrêmement connu. Il faut savoir que quand on faisait de la mise en page dans les années, dans les années 70, début des années 80, avec les ordinateurs qu'on appelait les photocomposeuses, des ordinateurs qui coûtaient le prix d'une grosse voiture hein, à l'époque, et qui ont été balayés par l'arrivée de l'ordinateur Macintosh, ceci dit en passant en 84. Euh, eh bien, avec ces ordinateurs, on ne, voyait pas, on, on ne composait pas nécessairement en WYSIWYG. C'était du code, un peu comme le web. Et à un certain moment, il y a, il y a des logiciels WYSIWYG qui sont apparus et qui permettent de voir sur écran une simulation de ce qui sortira réellement sur l'impression. Voilà. What you see is what you get. Levez la main ceux qui avaient déjà entendu parler de l'expression. Deux, trois. OK. Donc, c'est connu. Hein. Voilà, ça fait partie de la culture infographique. Donc, il y a eu des photocomposeuses qui permettaient de voir aussi, mais c'était vraiment du très haut niveau. Tous ces ordinateurs qui coûtaient très cher. Je vais vous raconter un truc qui est intéressant au niveau historique, mais surtout, l'histoire, ça sert à prévoir le futur. En 84, le Mac est sorti. Après le PC a rattrapé au niveau graphisme. Hein. À partir de 87-88, le PC a rattrapé le retard au niveau graphisme. Mais en 84, le, le Mac était très avancé. Apple Macintosh était très avancé au niveau des graphismes et de ce qu'on pouvait faire. C'était une révolution. C'est pas le premier produit Apple. Avant, il y a eu d'autres ordinateurs Apple. Mais le Mac, c'était au départ le Mac, c'est le nom d'un des produits de la marque Apple. Un de mes amis qui travaillait dans une entreprise où on faisait des magazines est arrivé avec... On, on concevait des magazines, vraiment. C'était le, le job. Avec des photocomposeuses, des ordinateurs spécialisés qui coûtaient le prix d'une voiture. Il est arrivé avec son Mac et on lui a dit, c'est un, un jouet quand même, ton truc, ça ne remplacera jamais les photocomposeuses. Deux ans après, les marques de photocomposeuses faisaient faillite les unes après les autres grâce à cause de l'arrivée du Mac. Donc, quand on vous présente dans la vie un truc nouveau et que vous avez envie de vous foutre de la gueule de ce truc parce que ça paraît bizarre et surtout pas, euh, ça peut être révolutionnaire et changer tout et ça peut être un game changer vraiment dans le monde de, de des entreprises. Donc, il faut arriver à avoir plus loin que le bout de son nez. Autre exemple. En 1992, pour ceux qui s'intéressent un peu à la musique, là aussi j'ai rencontré un gars qui a eu le flair de changer, de vendre bien cher son matériel avant que les autres ne se rendent compte que ce matériel avec les bandes magnétiques ne vaudrait plus rien très bientôt. Oui, oui, il faut, il faut sentir d'où vient le vent, d'où l'intérêt d'aller euh, se tenir au courant par le web, aller voir des salons spécialisés euh, en nouvelles technologies et être ouvert d'esprit. Ok, donc... Euh, Parfait, vous avez vu que, je reviens ici, vous avez vu que donc, la modification de l'interlignage se répercute non seulement sur le corps du texte, mais aussi sur son enfant qui est là au-dessus. Ok. Tiens, je pense qu'en passant, vu la largeur des colonnes, en passant en 11 points au lieu de 12, le résultat est bien meilleur. Vous remarquez ça aussi 12 points, on a du texte ici qui est, super serré les lettres sont super, les caractères sont super serrés par rapport à ça c'est foireux en diminuant un peu ici 11 points tout ça paraît plus correct le gris typographique l'aspect des paragraphes paraît plus unique quand on voit le, les, les pages à une certaine distance donc Allez-y, faites-le, passez aussi en taille 11 points. Tout ça, ça fait partie des réglages avant de, de faire les vrais magazines, les vraies publications sur base de ces documents conçus. Il faut tester et être certain d'avoir fait les bons choix. Enregistrez le document. 187. À partir de là, vous pouvez quitter InDesign.